L'origine de cette intervention provient d'une recherche effectuée sur les sources patristiques du commentaire écartien sur l'évangile de Jean. J'avais fait choix de commenter le sermon pour le jeudi saint concernant le lavement des pieds, puisque ce dernier possède le plus grand nombre de références patristiques. Ces sources provenaient de la Catena Aurea et du commentaire de Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean. Cependant, Maître Eckhart semblait prendre le contre-pied de la vision thomasienne et, tout en utilisant les mêmes sources patristiques, Jean Chrysostome, Origène et Augustin, d'arriver à une toute autre interprétation. En effet, il utilisait un argument majeur pour commenter le refus de Pierre qui ne se trouvait pas chez les auteurs patristiques mentionnés, ni chez Thomas d'Aquin. Alors, de quelle autorité patristique se référait-il pour affirmer que Pierre refuse de se faire laver les pieds par humilité? Or, il se trouve que c'est l'interprétation ambrosienne de ce passage de l'Évangile connu dans le De Sacramentis et le De Mysteris. Je me suis donc lancé dans l'étude de ces deux sources nouvelles patristiques pour mettre en perspective le commentaire écartien. Cette étude du De Sacramentis et du De Mysteris m'a conduit à la communication d'avril dernier au sein du colloque de patristique de l'Axtémis, ici même au Récollet. Cette recherche s'est associée d'un complément sur le rite liturgique du Mandatum au sein de l'ordre des prêcheurs. Et je voudrais vous partager ces découvertes car elles pourraient éventuellement mettre en lumière le pourquoi de l'importance de l'évangile de Jean chez Maître Eckhart, tout simplement en tant que modèle pour le sermon. Dans une première partie, je voudrais vous présenter la compréhension de Jean XIII dans son cycle liturgique à travers l'autorité affirmée de l'évangile de Jean pour l'ordre des dominicains. Commençons par une brève présentation historique du Mandatum Fratrum. Dans son article sur le lavement des pieds, Thomas Schaeffer analyse cette complexe pratique du christianisme ancien au Moyen-Âge. Il y a d'abord un premier pôle liturgique à l'époque patristique, où le lavement des pieds est une pratique liée exclusivement au sacrement de l'initiation chrétienne. Au sein de la liturgie milanaise et gallicane, le lavement des pieds était considéré comme un rite post-baptismal, c'est-à-dire qu'il avait lieu tout de suite après l'immersion dans l'eau et l'onction post-baptismale. Cependant, dès la fin du IVe siècle, Ambroise de Milan lui-même constate un abandon progressif de cette pratique liturgique. À côté de l'abandon progressif du pôle liturgique de l'époque patristique, il y a l'apparition de pratiques domestiques, hors cadre liturgique. On trouve un lavement des pieds pour l'accueil des hôtes,
issu du monachisme à travers un chapitre de la règle de Saint Benoît, au Ve siècle. Son évolution conduira progressivement au Xe siècle vers le mandatum des pauvres. Mais il y avait aussi la pratique domestique du lavement des pieds le samedi, au moment de prendre le service de la table pour la semaine. Pratique également issue d'un chapitre de la règle de Saint Benoît et dont le développement progressif conduira au Xe siècle vers le mandatum des frères. Ayant abandonné toute dimension baptismale, à partir du VIIe siècle, on peut constater l'apparition d'un deuxième pôle liturgique dans les sacramentaires. Il s'agit d'un geste rituel, mentionné en mémoire du geste de Jésus selon Jean, et qui porte précisément le nom de mandatum. Ce dernier est intégré au Jeudi Saint, mais il est toujours exécuté hors de la messe de la scène du Seigneur, avec des traditions différentes, lieux, d'horaires, changeant suivant les époques ainsi que le nombre, laver les pieds de 12 ou de 13 personnes. D'ailleurs, le nom de mandatum provient d'une des antiennes que l'on chantait au moment de faire ce rite. Mandatum novum do vobis. Jean 13, verset 34. Le rituel est fort simple. Après s'être rassemblé dans un lieu convenable et non à l'église, on proclame Jean 13, puis on lave les pieds de 12 membres, clercs ou laïcs, en mémoire du geste de Jésus. Pendant le geste, on chante un cycle d'antiennes avec des versets de psaumes. Et on termine par une oraison. Cependant, avec Benoît Damien et la réforme monastique lunisienne, on peut constater à partir du Xe siècle que ces pratiques monastiques domestiques vont s'amplifier et surtout se ritualiser pour devenir des célébrations liturgiques à part entière du Jeudi Saint, aux côtés de la scène du Seigneur célébrée après donne. Suppléant progressivement le mandatum liturgique du VIIe siècle, on assiste à une augmentation du nombre de rites des mandatum, dont chacun revêt un caractère propre. Ces célébrations sont alors comparables à des liturgies stationales. Le mandatum pauperum, ou mandatum des pauvres, ayant lieu dans le cloître après la messe principale du matin et le repas des frères. Le mandatum fratrum, ou mandatum des frères, ayant lieu, lui, au chapitre après les vêpres et le repas du soir. Le mandatum fratrum va reprendre la structure du mandatum liturgique du VIIe siècle, mais avec quelques variantes. Par exemple, on proclame l'intégralité de Jean 13 et 14, il y a une collation de vin après le lavement des pieds, puis la communauté se rend en procession de la salle capitulaire à l'église pour y prier complice. Mais ces deux nouveaux mandatums vont ensuite se généraliser en dehors du Jeudi Saint. L'analyse minutieuse d'Eliana Manini sur les coutumiers de la réforme clunisienne au XIe siècle confirme que le terme mandatum renvoie bien à trois types de rites. Le mandatum pauperum et le mandatum fratrum, qui faisaient partie des nombreuses célébrations du Jeudi Saint. Puis le mandatum quotidianum ou mandatum trium pauperum, célébré tous les jours après le déjeuner ou après la scène du mercredi des cendres au 1er novembre, et qui représente la généralisation quotidienne du mandatum pauperum et du mandatum fratrum. Cette généralisation des mandatums va suppléer vraiment le mandatum officiel du Jeudi Saint. En tout cas, cette réforme clunisienne des mandata aura des répercussions et des influences considérables. Déjà liturgiques, puisqu'au XIe siècle, le pape pratiquait non plus un, mais deux lotiones pendum. Le matin, pour 12 sous-diacres, et le soir, pour 13 pauvres. Cela aura même des influences sur la vie de la société, puisque le roi Robert le Pieux, par exemple, lavait chaque année les pieds de 12 pauvres qu'il servait ensuite à table avec l'aide de princes, de sang et d'officiers de la couronne. Comme le souligne Eliana Manini, cette évolution liturgique majeure porte en elle le témoignage d'une autre réalité. La réforme concernant le statut et l'accueil des pauvres, mais aussi un renouveau pour la pratique de la pauvreté évangélique et l'importance capitale de la pratique de l'humilité à travers le service. Servir le Christ dans les pauvres et servir le Christ dans les frères.
Cette évolution liturgique renforce et focalise la réception et l'interprétation du récit du lavement des pieds à travers le prisme de l'humilité, compris comme service. Ce qui d'ailleurs n'est pas sans poser des questions exégétiques vis-à-vis de la péricope joannique dans son intégralité. En tant que dominicain et membre d'un ordre mendiant, Maître Eckhart a vécu un mandatum fratrum chaque jeudi saint. Il s'insère par conséquent dans cet héritage liturgique clunisien, mais quelle est l'originalité dominicaine par rapport à ce dernier ? Alors, je voudrais maintenant opérer un bref rappel historique de la liturgie dominicaine. Depuis la fondation de l'ordre, le 22 décembre 1216, la question liturgique n'était pas au centre. On se contentait d'adopter la liturgie du pays où le couvent était érigé. Avec l'expansion de l'ordre, il y eut des tentatives d'unification en 1245-1250, mais sans succès. À partir de 1254, la tâche du nouveau général de l'ordre, Humbert de Romance, fut d'œuvrer à l'unité liturgique. Avec d'autres frères dominicains, il œuvra à la proposition d'un recueil complet pour la liturgie de l'ordre, adopté au chapitre de 1255 et 1256 et avec approbation du pape Clément IV en 1267. Ce recueil fut ensuite copié et envoyé dans toutes les provinces pour en assurer ensuite la diffusion dans les couvents. Humbert de Romans alla jusqu'à réaliser un manuscrit de poche contenant toute la liturgie dominicaine à l'usage du maître général afin que, lors de ses voyages et de ses visites, il puisse vérifier les copies dans les couvents. Ce rôle devait également être dévolu aux frères qui avaient la responsabilité de provinciaux. Si Maître Eckhart entre au couvent des dominicains d'Erfurt en 1275, s'il devient prieur d'Erfurt en 1294 et premier provincial de Saxe en 1303, il se situe dans ce mouvement de réforme et d'unification liturgique de l'ordre. Peut-être que dans le sillon d'Humbert de Romance, en tant que provincial, Maître Eckhart a dû veiller à la conformité des livres liturgiques des couvents qu'il visitait. La liturgie de l'ordre dominicain réalisée par Humbert de Romance semble être un ordonnancement avec des corrections de la liturgie parisienne, c'est-à-dire l'office gallican. Cette liturgie parisienne a été établie par Alcuin sur ordre de Charlemagne et qui fut imposée à tout l'Empire. Il s'agit d'une hybridation, d'une compilation du sacramentaire romain d'Adrien, datant de 784-791, avec un autre sacramentaire romain plus ancien que l'on appelle gélasien. Il y a en outre l'ajout de rites plus récents. Malgré la réforme du Concile de Trente en 1562, l'ordre des dominicains eut droit à un indulte pour conserver son rite propre. On le trouve ainsi exposé dans le Missale Juxta Ritum Sacri Ordinis Predicatorum, édité en 1603 et 1604. Alors, quelle est l'originalité dominicaine du Mandatum Fratrum ? En tant que dominicain depuis 1294, comment Maître Eckhart a-t-il vécu le jeudi saint ? Si nous analysons le rituel propre de l'ordre des prêcheurs, nous pouvons constater que le Thuringien semble avoir connu seulement un Mandatum. Puisqu'il n'y a pas le rite du lavement des pieds au sein de la messe de la scène du Seigneur, on le trouve décrit à la fin du rituel, entre les bénédictions du jour et la vigile de la nativité avec le chant solennel de la généalogie de Jésus-Christ. Voici la description rituelle du mandatum selon l'ordo des frères prêcheurs. Je me borne aux axes les plus significatifs. À l'issue de la messe de la scène du Seigneur, une fois la procession de la réserve eucharistique jusqu'au reposoir achevé et le chant des vêpres terminé, après le repas des frères, ces derniers devaient se rendre à la salle du chapitre. Il y a la salutation liturgique du prieur, puis le sermon d'un frère. Le prieur lave les pieds des frères et ensuite les mains. Et pendant ce temps, on chantait un cycle d'antienne avec des versets de psaume. Ensuite, avec une très grande solennité, avait lieu la proclamation de l'Évangile.
Comme pour la messe, le diacre cantillait l'évangile entouré des séroferères et thuriféraires à la chaire du chapitre. Il cantillait solennellement Jean 13, 1 à 15. Puis les frères devaient s'asseoir et le diacre chantait comme une lecture Jean 13, 16 jusqu'à 14, verset 31. Ensuite, on partageait la lumière avec des cierges, toujours tout en silence, et on se rendait en procession silencieuse de la salle du chapitre jusqu'au chœur. Et à ce moment-là, le diacre, à la chaire des sermons, continue le chant de la lecture de Jean 15, verset 1 jusqu'à Jean 17, verset 26. Et l'office se concluait par une oraison et l'office décompli. Cette description rituelle correspond à celle que l'on nomme mandatum fratrum, c'est-à-dire geste d'humilité envers les frères, puisque le lavement des pieds concerne toute la communauté et qu'elle est pratiquée à la salle du chapitre. Il semble évident qu'au moment de la fondation de l'ordre mendiant des dominicains et la constitution de leur livre liturgique propre, les frères prêcheurs aient intégré cette pratique liturgique issue du monachisme clunisien et constitutive de la vie fraternelle. Cependant, nous pouvons constater des divergences qui témoignent d'une originalité dominicaine qui va jusqu'à déplacer et ouvrir le centre d'attention. Déjà par la place d'un sermon, il n'y a que le propre dominicain pour proposer un sermon le jeudi saint au moment du mandatum. Puis, la place singulière de l'évangile. Il n'est plus placé avant le lavement des pieds comme pour le mandatum liturgique, mais après. De plus, il y a une solennité assez marquée et surtout il est cantillé de la chaire pour les sermons. Enfin, cette longue lecture concerne l'intégralité des discours de Jésus après le repas répartis en trois épisodes. D'une part, Jean 13, 1, 15, qui correspond précisément à la lecture proposée par le mandatum liturgique du 7e siècle, tout comme le mandatum fratrum clunisien. Puis il y a Jean 13, verset 16 jusqu'à 14, verset 31, qui associe la trahison de Judas et le discours des adieux. Pour terminer, au cœur, avec Jean 15, verset 1 jusqu'à Jean 17, verset 26, qui associe le discours sur la vigne véritable, le rapport entre les disciples et le monde, la venue du Paraclet, l'annonce du retour et enfin la prière dite sacerdotale de Jésus. Il n'y a que le propre dominicain pour proposer la cantillation d'un évangile directement à la chaire pour les sermons, avec la même solennité que pour une messe. La chaire à prêcher est alors renforcée comme lieu d'autorité. Mais surtout, l'enseignement de Jésus contenu dans l'évangile de Jean au soir de la scène devient comme un modèle, un exemple pour les frères prédicateurs. Un peu comme si ces derniers recevaient en cette célébration du mandatum fratrum, directement de la part du Seigneur, une prédication. D'autre part, cette incorporation de la lecture intégrale des discours de Jésus après la scène met bien en lumière l'association de deux rites distincts. Un vestige du mandatum fratrum, mais un nouveau rite mettant en lumière la figure de Jésus prêchant à ses disciples. Nous sommes en présence d'une évolution organique de la liturgie par ce phénomène d'hybridation entre la conservation de vestiges anciens et des nouveautés. Cela conduit à un rite liturgique original et unique en son genre, où les frères dominicains suivent Jésus non seulement à travers son exemple du lavement des pieds, mais aussi son exemple de prédicateur. Ce mandatum fratrum dominicain est en fait l'association de deux rites finalement très fidèles à la structuration de l'évangile de Jean au soir de la scène. Ils respectent la structure narrative. En effet, selon le récit, il y a d'abord le repas de la scène, puis le geste initiatique du lavement des pieds qui ouvre à son commentaire et plusieurs enseignements de Jésus, se concluant par sa prière sacerdotale. Pour le frère dominicain qui vivra ce mandatum fratrum, ce sera la même chose. Après le repas à la fois céleste, à travers la messe, et terrestre, à travers le repas fraternel, les frères dominicains se rassemblent pour le lavement des pieds, qui va conduire à l'écoute de l'ensemble du commentaire du geste
et des enseignements de Jésus. Ce mandatum fratrum, original et unique dans l'histoire de la liturgie, met en lumière l'autorité de l'évangile de Jean pour l'ordre des prêcheurs. Par analogie, si au cours de la messe de la scène du Seigneur, on fait mémoire du don de l'Eucharistie par Jésus à l'Église, au cours de leur mandatum fratrum, les frères dominicains font mémoire du don d'un autre exemple, celui de la prédication, à travers celle de Jésus à ses disciples. À la suite du maître, à travers le mandatum fratrum, les frères sont initiés au service et à la prédication. Si le service fraternel est renforcé par le service de la prédication, ce dernier est indirectement élevé au rang de service fraternel. Cette innovation liturgique dominicaine, même si elle s'inspire du mandatum fratrum clunisien, s'en détache totalement, et par le sens, et par la portée. Ce n'est plus seulement le service du frère et du pauvre qu'exalte le geste du lavement des pieds, mais le service du frère et de la prédication. À travers ce rite, nous sommes peut-être en présence de la racine la plus profonde de la mystique dominicaine de la prédication où humilité, service, prédication semblent intimement associés. Assumant la spécificité de leur ordre par la prédication, c'est rendre un authentique service fraternel, à l'exemple du maître, non seulement à la communauté, mais à toute personne vers lesquelles ils sont envoyés. Peut-être est-ce pour cette raison qu'il y a un sermon avant le lavement des pieds. En tout cas, si ce dernier est présenté comme exemple de prédication, peut-être est-ce pour cette raison qu'il occupe une place incontournable et essentielle dans les sermons de Maître Eckhart. D'ailleurs, au sein de son serment allemand pour le Jeudi Saint, Maître Eckhart laisse un détail liturgique transparaître concernant l'ordre de préséance pour le lavement des pieds, à savoir commencer par les plus jeunes et par les aînés. Il y a un dernier petit geste que je voudrais vous commenter qui se situe au niveau de ce partage de la lumière. En effet, puisque l'évangile était séquencé en trois parties, les deux parties devaient être cantilées à la salle du chapitre et les frères devaient se rendre en possession. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la description du partage de la lumière qui devait se faire en silence correspond déjà au partage de la lumière durant la veillée pascale. C'est-à-dire le prieur devait allumer un cierge directement au charbon de l'encensoir du turiféraire, puisque le turiféraire était là pour la proclamation solennelle de l'évangile. Et une fois que le prieur avait allumé son petit cierge à l'encensoir, il venait partager cette lumière aux frères, et les frères, en silence, se rendaient en procession au cœur de l'église pour y entendre la dernière partie de l'évangile. Et ce qui fait que le partage ici de cette lumière, en écho avec le partage de la lumière à la veillée pascale, est ici un élément particulièrement pertinent et fort. Alors, dans la deuxième partie de mon propos, je voudrais partager avec vous et analyser l'utilisation du corpus johannique dans les sermons de Maître Eckhart. Et à partir de cette analyse, essayer peut-être de dresser un portrait du prédicateur. L'objectif principal sera de mettre en lumière l'utilisation du corpus johannique, en particulier l'évangile de Jean, au sein de la prédication de Maître Eckhart, que ce soit pour les sermons latins, les sermons allemands et les sermons retrouvés, présentés hier par le professeur Marcus Vincent. Je laisse volontairement de côté le commentaire sur l'évangile de Jean de Maître Eckhart, puisque ce dernier n'est pas directement destiné à la prédication. Nous tenterons dans cette étude de montrer que l'évangile de Jean est une source principale et constitutive pour la prédication eckhartienne, et que le thuringien ne l'utilise pas de manière fragmentaire, mais bien comme une ressource permanente et régulière à la manière d'un compendium pour puiser des ressources nécessaires. Alors, les éditions critiques ont laissé un index des citations bibliques qui permet de retrouver toutes les occurrences au sein de l'œuvre de Maître Eckhart. Édité chez Colamer, ce travail est précieux. Cependant, il possède une limite quant au sermon.
En effet, cette édition ne permet pas de distinguer si nous sommes en présence d'un verset commenté ou bien d'un verset cité dans le cadre d'un argumentaire interprétatif. C'est pourquoi, l'an passé, j'ai entrepris d'opérer cette distinction afin de mettre en lumière la manière dont Maître Eckhart utilise le corpus johannique dans ses sermons. Je vous propose une brève présentation synthétique des résultats. Tout d'abord, je voudrais revenir sur la distinction entre verset commenté et verset cité. Cette distinction réside dans le fait que l'auteur ne manifeste pas le même degré de liberté. En effet, si Maître Eckhart commente un ou plusieurs versets de l'Écriture, sa liberté est somme toute relative, puisque même s'il sélectionne un ou plusieurs versets, le texte est imposé par le lectionnaire liturgique. Un prédicateur catholique ne choisit pas un texte particulier pour un dimanche ou une fête, c'est la liturgie qui le lui donne. Lui, en tant que prédicateur, au sein de ce déterministe liturgique, peut extraire un ou plusieurs versets, mais pas plus. Vous comprendrez d'emblée que les versets cités par le prédicateur dans le cadre de son argumentaire interprétatif manifestent pour le coup une liberté totale. Il est fort à parier que ce seront les versets cités qui nous permettront de mieux appréhender la manière dont Maître Eckhart utilise le corpus johannique pour nourrir et alimenter sa prédication. Commençons par les versets commentés. Il y a 59 sermons de Maître Eckhart qui commentent un ou plusieurs versets. 13 sermons latins, 29 sermons allemands, 17 sermons retrouvés, dont le corpus a été présenté hier par Marcus Vincent. Curieusement, c'est loin de représenter une majorité face à la totalité du corpus de sermons de Maître Eckhart. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le placement de ces sermons au sein de l'année liturgique. Bien qu'étant répartis sur l'ensemble de l'année liturgique, à la fois le temporal et le sanctoral, on peut voir tout de même apparaître des pôles de concentration assez récurrents, que ce soit pour les sermons latins, allemands et les sermons retrouvés. Le premier pôle se concentre autour de l'octave de la Trinité, c'est-à-dire la semaine du dimanche de la Trinité jusqu'au deuxième dimanche de la Trinité. N'oublions pas que c'est au sein de cette octave de la Trinité que se trouve le jour férié de la fête du Saint-Sacrement, récemment instituée à l'époque de Maître Eckhart. Cela représente 16 sermons, 10 sermons latins et 6 sermons allemands pour ce premier pôle. Le deuxième pôle se concentre quant à lui autour de l'Ascension, ce qui est seulement 17 jours avant le dimanche de la Trinité. Ce deuxième pôle représente 7 sermons, 3 sermons allemands et 4 sermons retrouvés. Et enfin, un troisième pôle se dégage autour de la Semaine Sainte et de l'Octave de Pâques. Cela représente 8 sermons, 6 sermons allemands et 2 sermons retrouvés. En somme, ces trois pôles représentent à eux seuls 31 sermons sur 59. Donc cela signifie que la moitié des sermons se trouvent durant le temps pascal, et surtout à la fin, période d'Ascension Trinité. Le reste constitue comme des satellites se répartissant sur l'ensemble de l'année liturgique. Alors qu'il n'y a que 3 sermons pour le jour de la Nativité, force est de constater que la prédication eckhartienne, commentant le corpus johannique, est avant tout pascale et symboliquement trinitaire. Alors que l'imaginaire collectif associe le prédicateur de la naissance de Dieu dans l'âme avec la fête de Noël, à cause du célèbre sermon de Jean Tolère, il faut bien reconnaître que dans les faits, il faudrait mieux l'associer au temps pascal et en particulier à l'Ascension et la Trinité. Si l'on note les doublons, ce sont 71 versets du corpus johannique, sinon ce serait 79, qui sont ainsi commentés à travers ces 59 sermons. Ils sont répartis ainsi: 50 versets venant de l'Évangile,
16 versets venant de la première lettre de Saint Jean, se concentrant exclusivement sur la source de la charité, c'est-à-dire première lettre de Jean, chapitre 4, verset 7, jusqu'au chapitre 5, verset 13. Et enfin, 5 versets venant de l'Apocalypse, se concentrant exclusivement sur les compagnons de l'agneau, Apocalypse 14, versets 1 à 44, et la Jérusalem céleste, Apocalypse 21, versets 1 à 8. Tributaire de la liturgie, on peut tout de même constater cette importance pour mettre écart de la première lettre de Jean, commentée à la fois dans les sermons latins et allemands. Par contre, 50 versets commentés face aux 879 qui composent l'évangile de Jean, il faut avouer que la prédication écartienne est ici à champ très réduit. Il semble se focaliser sur des aspects déterminés. C'est pourquoi, parmi les 50 versets sélectionnés par Maître Eckhart pour être commentés dans ses sermons, on peut tout de même constater l'importance de l'événement pascal. Depuis la scène jusqu'au matin et au soir de Pâques, commenté dans les sermons allemands et retrouvé. Cet événement pascal représente tout de même 38 versets commentés sur 50. Cela confirme le fait que la prédication écartienne, lorsqu'elle commente l'évangile de Jean, se concentre à 75% sur l'événement pascal, ce qui est tout de même considérable. De même, il est intéressant de remarquer que parmi ces 38 versets commentés, 25 sur 50, soit la moitié, proviennent de Jean 13, 14, 15, 16 et 17. La moitié de la prédication écartienne commentant l'évangile de Jean se concentre en particulier sur les discours de Jésus après la scène. Or, n'est-ce pas ces discours qui ont été solennellement cantillés lors du mandatum fratrum? Y aurait-il une influence indirecte, propre à l'ordre des prêcheurs, qui aurait ainsi guidé intérieurement Maître Eckhart pour son choix relatif de versets à commenter au sein des versions liturgiques proposées pour le temporal et le sanctoral? Si les discours de Jésus semblent si solennellement mis en l'honneur dans l'ordre des frères prêcheurs et revêtent une forme d'autorité comme nous l'avons précédemment montré, peut-être est-il logique de leur privilégier un commentaire lorsque le découpage lectionnaire liturgique au cours de l'année peut le permettre. Dans cette deuxième partie, attardons-nous aux versets cités. C'est à travers eux que Maître Eckhart va manifester une liberté totale. Le choix d'un verset cité au sein de la dynamique interprétative en dit plus qu'un simple argument exégétique. Il manifeste indirectement l'interprétation et la place qu'occupe un corpus dans la réflexion du prédicateur. Convoquer un verset d'un évangile, c'est en même temps mettre en lumière indirectement les autorités qui structurent la pensée du prédicateur. Ainsi, l'étude de versets cités par Maître Eckhart au sein de ses sermons nous permettra peut-être de mettre en lumière la place et l'importance de l'évangile de Jean dans la structuration de sa prédication. Pour cela, nous allons suivre le même protocole que précédemment. Alors, concernant le nombre de sermons qui citent un ou plusieurs versets du corpus joannique, nous arrivons à 160. 67 sermons latins, 65 sermons allemands, 28 sermons retrouvés, ce qui est considérable. D'une part par rapport au nombre de sermons où Maître Eckhart commente le corpus joannique, d'autre part eu égard à l'ensemble de l'œuvre sermonnaire du Thuringien. Cela nous laisse à penser que le corpus joannique est bien une source structurant la prédication de Maître Eckhart, et surtout un paradigme pour commenter l'écriture, une référence absolue. En tout cas, le corpus joannique semble faire autorité. Si nous observons en outre le positionnement de ces 160 sermons citant le corpus joannique au cours de l'année liturgique, nous pouvons faire ce constat. Même s'il couvre, bien entendu, l'ensemble de l'année liturgique, on peut observer ce même phénomène de polarisation, certes plus discret, en particulier autour de l'Ascension dimanche de la Trinité.
Pour les sermons allemands, le dimanche de la Trinité est privilégié, puis vient l'Ascension, à travers la messe de la Vigile et la messe du jour. Pour les sermons retrouvés, c'est la fête de l'Ascension qui nettement surplombe l'ensemble. Le cas des sermons latins est plus pertinent, car il témoigne d'une authentique volonté d'engendrer un cycle de sermons où, dimanche après dimanche, il y aura une cohérence interne et progressive. Déjà parce que nous avons une série de sermons couvrant une large partie de la période liturgique des dimanches après la Trinité. Ensuite, parce que le pôle se concentre autour du dimanche de la Trinité. Et pour les dimanches qui suivront, Maître Eckhart y proposera systématiquement des citations du corpus joannique. Comme si ce dernier était une référence systématique et systémique de la part du prédicateur pour commenter l'Écriture. Dans l'élan du dimanche de la Trinité, il y a ici une construction volontaire d'un authentique cycle de sermons où le corpus joannique ferait autorité pour argumenter le commentaire du prédicateur. Il peut être comme une référence interprétative de l'Écriture. En synthétisant ces découvertes, l'Ascension et la Trinité seraient-elles devenues discrètement des fêtes liturgiques privilégiées pour le prédicateur à partir duquel, tel un centre de gravité, il va non seulement commenter le corpus joannique, mais le citer pour argumenter son exégèse de l'Écriture? Est-ce à dire que la prédication eckhartienne, en tant qu'œuvre cohérente et structurée, commentant et citant le corpus joannique, avait comme point central le pôle Ascension-Trinité, témoignant ainsi d'une certaine compréhension et d'une certaine pratique des cycles liturgiques? La fête de l'Ascension et de la Trinité serait-elle devenue plus importante, entre guillemets, que les autres fêtes liturgiques pour organiser les argumentaires de la prédication? En tout cas, la question demeure. Mais attardons-nous aux citations. D'une manière générale, au sein de ces 160 sermons, il n'y a pas moins de 452 citations provenant du corpus joannique. Pour les besoins des 67 sermons latins qui citent le corpus joannique, Maître Eckhart y sélectionnera 110 versets qui engendreront 186 citations. Pour les 65 sermons allemands qui citent le corpus joannique, 89 versets seront sélectionnés et engendreront 156 citations. Et enfin, pour les 28 sermons retrouvés qui citent le corpus joannique, 95 versets seront sélectionnés et engendreront 110 citations. Aussi, en synthétisant et en notant les doublons, Maître Eckhart a en fait sélectionné 208 versets du corpus joannique pour engendrer ses 452 citations, ainsi réparties au sein de ses 160 sermons. Ce qui est considérable et qui confirme l'impact de l'évangile de Jean. Posons-nous à présent la question de la provenance de ces 208 versets du corpus joannique ainsi sélectionnés par Maître Eckhart. 175 versets cités proviennent de l'évangile de Jean. 10 versets cités proviennent de la première lettre de Jean. Et 23 versets cités proviennent de l'Apocalypse. Nous ne pouvons qu'être surpris de cet impact des citations joanniques au sein de l'œuvre sermonnaire de Maître Eckhart. Cela ne fait que confirmer l'autorité du corpus joannique pour son œuvre de prédication. Que ce soit pour la première lettre ou le livre de l'Apocalypse, les versets sélectionnés proviennent en fait de parties restreintes et ciblées. Par exemple, pour la première lettre de Jean, les 10 versets sélectionnés viennent en majeure partie de ce que l'on appelle la source de la charité, c'est-à-dire première lettre de Jean, chapitre 4, verset 7, jusqu'au chapitre 5, verset 13. Au sein de cette partie, Maître Eckhart va sélectionner 8 versets. Les deux autres versets viennent d'une autre partie qui s'appelle « Vivre en enfant de Dieu »
et qui correspond en fait à la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 3, jusqu'au chapitre 4, verset 6. Ces 10 versets sélectionnés engendreront 30 citations. Puis, en ce qui concerne l'Apocalypse, les 23 versets sélectionnés par Maître Eckhart engendreront 44 citations. Ces 23 versets proviennent de la vision préparatoire, 4 versets, des adresses aux églises de Smyrne, Pergame, Sardes, Philadelphie, Laodicée, 8 versets, des visions du châtiment de la femme et du dragon, du combat eschatologique, 5 versets, et les 6 versets restants viennent des visions de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem messianique. Par contre, les 175 versets restants proviennent uniquement de l'Évangile selon saint Jean. Ils engendreront pas moins de 378 citations. Autant dire que l'impact de l'Évangile de Jean au sein de l'argumentaire de la prédication écartienne est considérable. Force est de constater que ces 175 versets, hormis le chapitre 21, sont issus de l'ensemble des chapitres qui constituent l'Évangile. Si Maître Eckhart puise ainsi au sein de l'ensemble des 20 chapitres restants de l'Évangile des versets pour argumenter sa prédication, cela montre l'autorité et l'impact de ce dernier. C'est bien l'Évangile de Jean, dans son intégralité, qui agit avec autorité sur la prédication écartienne et pas uniquement quelques versets significatifs. Même s'il puise sur l'ensemble des 20 chapitres, il faut admettre que la répartition n'est pas égale. On peut aisément y discerner trois pôles majeurs. Il y a tout d'abord ce que l'on appelle le prologue. Jean chapitre 1, les versets 1 à 18. Maître Eckhart y sélectionnera 12 versets qui engendreront pas moins de 67 citations réparties dans 27 sermons latins, 14 sermons allemands et 6 sermons retrouvés, soit 47 sermons au total. Notons au passage qu'au sein du prologue, nous trouvons des versets qui seront le plus abondamment cités par Maître Eckhart dans sa prédication. Il y a ensuite le récit de Jésus chez les Samaritains, Jean 4, versets 1 à 42. Maître Eckhart y sélectionnera 24 versets qui engendreront pas moins de 74 citations, réparties dans 10 sermons latins, 8 sermons allemands, et 2 sermons retrouvés, soit 20 sermons au total. Ensuite, l'ensemble des discours après la scène, c'est-à-dire Jean 13, 14, 15, 16 et 17, où Maître Eckhart y sélectionne systématiquement des versets. Cette sélection regroupe 50 versets qui engendreront 112 citations, répartis dans 26 sermons latins, 30 sermons allemands et 12 sermons retrouvés, soit 68 sermons au total. Ainsi, en faisant la synthèse, près de 50% des versets sélectionnés au sein de l'Évangile de Jean proviennent de ces trois pôles qui rassemblent seulement 7 chapitres sur 20. Ces derniers engendreront près de 67% des citations de l'Évangile de Jean au sein de la prédication écartienne. Nous pouvons aisément comprendre l'autorité du prologue. Il ne faut pas oublier qu'il est l'Évangile le plus entendu au cours d'une année liturgique, puisqu'il est entendu systématiquement à la fin de chaque messe. Celui qui constitue le dernier évangile accompagne l'envoi de la messe.
Il préfigure de manière éloquente l'envoi en mission pour annoncer l'Évangile. On peut alors comprendre la place qu'il peut représenter pour un frère prêcheur. Ensuite, grâce au Mandatum Fratrum Dominicain, nous avons pu découvrir l'autorité nouvelle conférée au discours de Jésus après la scène pour l'ordre des prêcheurs. Ces discours constituent un modèle de prédication par le maître pour les frères prêcheurs. Finalement, à travers ces autorités que sont le prologue et les discours de Jésus après la scène, nous pouvons peut-être comprendre Maître Eckhart comme un authentique prédicateur mettant en pratique toute la mystique de la prédication au sein de l'ordre des frères prêcheurs. Reste à déterminer le pourquoi de l'épisode de Jésus et des Samaritains. Pourquoi prend-il autant d'importance? Pourquoi a-t-il autant d'autorité dans la prédication eckhartienne pour être cité autant de fois? Cela mériterait une étude supplémentaire. Pour conclure mon exposé, si nous tentions de dresser, à gros traits, le portrait du prédicateur Maître Eckhart en ce qui concerne le corpus joannique, nous pourrions dire ceci. Tout d'abord, que le quatrième évangile est vraiment intégralement constitutif de sa prédication. Ensuite, que Maître Eckhart commente le corpus joannique en se focalisant sur ce qui est relatif à l'événement pascal, et en particulier les discours après la scène. Ces commentaires se polarisent dans une partie réduite de l'année liturgique, à savoir l'Ascension, Trinité, Saint-Sacrement. Enfin, lorsque Maître Eckhart cite le corpus joannique, et en particulier l'Évangile, comme une autorité pour appuyer ses commentaires de l'Écriture, en les organisant et les rythmant à partir du dimanche de la Trinité et de l'Ascension, Maître Eckhart puise dans l'intégralité de l'Évangile, mais il se polarise en particulier sur le prologue, la rencontre de Jésus chez les Samaritains, et bien évidemment les discours de Jésus après la scène. Je vous remercie.